Yo les potes, tout le monde, c'est bon pour une nouvelle vidéo les amis, vidéo super spéciale les amis parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un hôtel à Marseille, à Marignane, où on va partir en vacances tout simplement en Amérique frérot, c'est juste incroyable les amis. On a deux destinations de prévues, je vais pas vous les dire maintenant, vous allez les découvrir en même temps que moi dans la vidéo les amis. Et puis voilà, bonne vidéo. Là les amis, j'explique un peu la situation, on devait prendre la navette parce que c'est logique, c'est plus facile pour transporter les valises et tout. Sauf que le problème, c'est qu'elle est à 5h et qu'il est 4h30. Vous la sentez la mauvaise idée? Du coup, on a pris nos valises, on a pris un chariot et frérot, on est en train de partir de l'hôtel comme ça. Donc les amis, on va à l'aéroport à pied et puis voilà, je vous filme tout ce que je peux filmer. On se retrouve à l'aéroport, c'est parti. Frérot, on vient d'arriver dans l'avion. On est là. On est pile là. Incroyable, les amis, on va faire deux escales et ensuite on se retrouve direct. Les amis, on vient de s'arrêter pour notre première destination, les amis, la Nouvelle-Orléans. Ça nous fait super plaisir. On a fait une journée d'avion, du coup là je suis éclaté. Plus d'une journée même, on est parti à 3h de l'aéroport, frérot, de Marseille. On est à la Nouvelle-Orléans, il est, on va dire, 19h30 pour la Nouvelle-Orléans, mais il est 1h30 en France, du coup pas trop de jet lag, ça va, mais voilà. Elle est incroyable la chambre. C'est quoi cette chambre? Oui. Ça c'est une salle de bain normale en Nouvelle-Orléans. Oui. Elle est incroyable. Oh, la salle de bain elle est incroyable. Incroyable la chambre. Il y a Tino qui s'est rajouté dans le vlog. Ouais. La vue elle est incroyable. Oh c'est trop stylé. Bon, la musique qu'il y a. Trop stylé. Oh, c'est en mode mexicain, je crois. Oh, c'est incroyable. Donc là, les amis, je récapitule parce que je sais pas si je vous l'ai dit. On est en Nouvelle-Orléans. C'est la première destination. Il y en a deux dans le séjour. Et puis voilà. On va juste se balader comme ça. Oh, je crois qu'il y en a un autre. Il y a un crocodile. Frérot, il y avait un crocodile pendu au plafond. Je pétais un plomb. Oh, il y a des palmiers et tout. C'est vraiment incroyable. Les amis, c'est la première fois que j'ai en Amérique. C'est trop stylé, frérot. Là, on est en Nouvelle-Orléans. Et apparemment, c'est un peu la ville de la musique, t'as vu. Oh, ça, c'est stylé de fou. C'est un genre de tram, mais de Nouvelle-Orléans, j'ai l'impression. Ça, c'est comme le tram, non? D'ailleurs, les amis, pendant ce voyage, vous risquez d'entendre mon anglais. Force à vous, les gars. Les magasins, ils sont énormes. Oh, guette la devanture de. Oh, y'a un serpent. Jamais je fais ça, frérot. Frérot, c'est quoi ce délire? Est-ce que en commentaire, vous voulez que je fasse ça, que je mette un serpent sur mes épaules? Je ferai pour une vidéo si vous le voulez. C'est tout. Mettez-le en commentaire et je ferai. Les amis, on vient de se poser à un restaurant. On va prendre à manger. Oh, on est là-bas. Et on a la fête juste en dessous, en fait. Alors là, t'as vu les gens. Et là, il y a la fête. Et du coup, on va choisir à manger. Et voilà. Les amis, on a récupéré mon frère et là on est dans un petit magasin parce qu'on a tard à soif. Oh, je me balade, je vois un truc comme ça. En fait, je crois que c'est des shots de. C'est comme pour de l'alcool, sauf que là c'est pour avoir de l'énergie apparemment. Bon, je vais pas prendre ça, moi je vous dérange. Les amis, j'ai vu. Pour l'instant, j'ai fait deux rues et j'ai croisé 15 magasins de sneakers. Là, il y a un Joker, je sais pas pourquoi. C'est énorme, mais ça sert à rien. Oh, il y a un Joker. Je sais pas pourquoi il y a un Joker, frérot. On se dirige vers la première activité, c'est parti. Les amis, on vient d'arriver à l'activité. On va aller dans un marécage voir des alligators. Donc déjà c'est un truc de fou. Là il y a Bigfoot. Là on sait pas pourquoi il y a Bigfoot, peut-être qu'il est dans le marécage aussi, on sait pas. Là apparemment on va aller voir un alligator albinos. Donc tu sais c'est quand c'est blanc là, j'ai trop peur. Just check in right here with them and get your wristband and make a video. Ok. Oh les gars, vous êtes prêts? Je vais vous filmer un alligator albinos en vie. Les amis, c'est un vrai, hein, c'est pas un faux. Il bouge pas, mais c'est un vrai. Il y a de l'eau pour lui et tout. Il est protégé du coup, lui, je pense. Et voilà, vous sortez du crocodile. Donc les amis, là, je vous ai montré
un alligator albinos. Donc c'est ce que vous avez vu juste avant. Donc là on va bientôt partir sur ce genre de petit bateau là, où c'est un gros ventilateur derrière qui nous pousse. Et en vrai c'est trop stylé. Et apparemment il va pas y avoir que des alligators, il va y avoir des serpents. Et après voilà. Et je suis pas sûr de ce que j'ai compris parce que toute la présentation était en anglais. Donc normalement alligator, serpent. Je crois qu'il a dit autre chose mais je me rappelle plus. Ok les amis, donc là on est actuellement dans le bateau, frérot. Là, à tout moment il y a un crocodile et j'ai peur hein, frérot. À tout moment, frérot, il y a un crocodile. Donc j'ai un peu peur de ça, mais c'est pas grave. Et surtout, non mais on va lire. Please keep hands inside the vessels at all times. C'est-à-dire de tout le temps garder les mains à l'intérieur du véhicule entre guillemets. Et là, life vest sewn under seat. Donc là tout le monde, bah, moi j'en ai pas. Ah si. Oh comment j'ai eu peur. Là, juste là, il y a un crocodile. À tout moment, oh, il y a un ballon de foot. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Les amis, je sais pas si on voit bien. En gros, le mec de l'expédition est en train d'expliquer que tous les deux ans, les dents des alligators, elles repoussent. C'est-à-dire que comme nous les humains, quand on a des dents de lait, les anciennes dents, elles se font pousser par des nouvelles. Et ils ont des nouvelles dents tous les deux ans. Voilà. Il fait demi-tour. Il nous a esquivé. Je vais l'envoyer à un ami qui s'appelle Martin. See the green stuff just on this edge. Wesh. Oh, okay. Yeah. Wow. Is this your puppy? Les amis, deuxième activité de la journée, on va prendre le bateau en mode croisière. Et frérot, c'est vraiment une croisière comme ça. Le bateau, il est énorme. Je pense que je peux me perdre dedans, donc voilà. Et on va manger dans ce bateau, les amis. Il va pas y avoir tout ça, il va y avoir une anime en mode, il va y avoir de la musique et tout. Donc j'en sais pas plus que ça, les amis. On se retrouve directement sur le bateau, c'est parti. Donc les amis, pour la petite anecdote, en fait ce qui pousse le bateau, bah, c'est cette grande roue qui marche. Bon, elle a quand même des cylindres à l'intérieur qui font que la roue tourne, mais sinon tout le bateau est tourné grâce à la roue. Les frérots, une blague en plus parce que j'ai bien froid. On vient de manger et en fait la croisière, elle est partie. Donc là ce qui arrive, je prends 1 heure. Puis 1 heure, on est en train de se déplacer sur l'eau. Il m'a donné. Et là on est ressorti. Les amis, on est le lendemain de la croisière avec le jazz que vous avez vu hier. Du coup, on est sorti. On a pris un petit déj et je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris Madame de là, je sais pas ce que c'est, avec un jus d'orange et puis voilà. Ah, c'est ok ça, les ça, amis, on a reçu un petit déj. Il y a des petits fruits et ça, c'est incroyable. Les amis, on est actuellement en train de s'approcher de la prochaine activité. Attends, moi je vais faire tout le trajet. Je reprends juste après, c'est parti. A few moments later. The same information or instructions like with me.
get your tickets and tell you guys what's the time of the your tour actually starts at the big house. If you need to go to any restaurant. Les amis, je vous reprends dès qu'on ressort du bus, c'est pas wow. Oh, comment il fait bon. Ah ouais, il y avait la clim dans le bus. C'est trop stylé. Ah bah pour une personne c'est 30$ et moi c'est 10$ parce que j'ai moins de 17 ans. Si toi t'es une calvasse. Mais j'ai pas de calvasse. Non. Voilà, j'ai pas de calvasse. Bon, hier ils étaient là et ils voulaient trop me mettre dans la merde, ils disaient que j'ai une calvasse. J'ai pas de calvasse. C'est énorme, frérot, c'est énorme. Moi j'ai bien pris un plan en français, hein, les gars. Sachez-le, c'est incroyable. On peut aller dans le jardin, genre là, on peut marcher dans l'herbe. Je vois pas de panneau. Hein. Ah oui, il y a des mini forts. Un plat comme ça. Là, oh, il y a un poisson rouge. Et un poisson. Regardez, il y a un poisson. En fait, si tu mets ça. Oh, mais il y a plusieurs poissons, il y en a trois. Il y en a. Si tu mets les mini forts, il y a pas besoin de filtration. Une fois, ça filtre. Bah ça fait un. J'en ai mis un jeune. Nous on a ça à l'hôpital, mais des fois ça sert à transperver son écosystème. Les amis, petite séance photo, ce sera sur mon Insta, les amis, le jour où la vidéo sort, sachez-le. Et puis voilà. Là, du coup, les amis, on va tester ça. Donc, c'est un wrap que j'ai pris tout à l'heure, mais je sais pas à quoi il est. Et puis voilà. Et je vous retrouve juste après. Un sondage pour leur demander ce qu'ils auraient dû prendre et tout. J'aurais dû prendre quoi. Et voilà, ça fait du référencement, c'est bien. Les amis, je sais pas si on a le droit. Donc. À la fin, parce qu'on va aller faire une visite là. À la fin, avant qu'on parle, je vais courir dans tout le jardin. Le jardin, frérot, il est énorme, il n'y a personne dans le jardin. Je suis aberré. Dès que la visite elle finit, frérot, je vais courir dans le jardin. On va être. Ça va être carré. Regardez ça, c'est trop stylé. Ça, c'est trop stylé par contre, les feuilles comme ça, frérot. On dirait qu'elles sont en plastique tellement elles sont grandes, frérot. J'ai trop envie de la toucher. Je peux pas. J'ai trop le. Je suis pas assez grand. Attendez, je vais essayer de toucher avec la caméra. Ah ouais, c'est une vraie feuille. Je crois qu'elle était en plastique la feuille tellement elle est grande. Ça s'appelle les oreilles d'éléphant. Tu peux répéter devant la caméra. Ça s'appelle les oreilles d'éléphant. Merci. Tu peux répéter devant la caméra. Ça s'appelle des oreilles de Martin Pêcheur. Frérot, c'est trop stylé. Frérot, le jardin, il est trop beau, sa mère. Frérot. Quand t'as ça chez Watt, c'est trop beau. Par contre, ça, je pense que tu marches dessus, tu te fais éclater. Hein. J'ai juré. Oh, l'herbe, elle est trop belle. Enfin, non, pas en fait. Ça sera coupé. Bon, ou pas. Attends, frérot, j'ai vu des plantes incroyables. Genre, elles sont. Il va y avoir ça dans mon studio, 100%. Frérot, guette ça. Ça, c'est trop stylé. Avec les trucs rouges et tout. Non, c'est une singerie. Frérot, je veux ça dans ma chambre. Frérot, je veux ça dans mon studio, mais. Déjà, ça rentrera pas si c'est pas en plastique, hein, donc force à moi. Mais c'est trop stylé, frérot. Hello. I speak a little English, frérot. Elle fait hello, après elle m'a dit un autre truc, j'ai fait yeah, ouais. Bon, mes petites roses. Mais tu sais que moi, je suis pas trop dans le délire plante et tout. Mais quand c'est comme ça, frérot, c'est trop stylé, chaud. Get l'arbre. L'arbre, il est busy. Yeah. You get that app on your phone because you just go to the plant, take the picture, and it tells you what it is. Okay. This one right here, Seek. Seek? S-E-E-K. Okay. And it's free. It's for what? Free, no cost. Yeah. Yeah? Okay. So you just go to a flower. Okay. Are you tour starting? Yes. Wait, when you come out. Thank you. Yeah. Oui. Bon, il m'a fait télécharger une application, je sais pas ce que c'est. Make your way all the way into the room, please. Okay. Chut. Trop stylé. Bon, lui, il a l'air un peu serré du cul, mais c'est pas. Les amis, on se retrouve juste après la visite parce qu'en fait, on pouvait pas filmer. Je vous remets le moment où elle me dit de ne pas filmer. Don't film, please. Bon bref. Et du coup voilà, on n'a pas pu filmer. Mais en gros, on est allé là-haut. On a visité l'intérieur. Bon, vous aurez quelques photos. Enfin, elles sont belles, mais là-haut, c'est pas... Tu vois là-haut.
frigo, c'est incroyable. Mec, la maison à l'intérieur était énorme. Genre, quand je dis énorme, c'est qu'elle était énorme. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Genre, c'est. Pour la petite histoire, il y aura sûrement une voix off si je me trompe à un moment. Mais. Mais en gros, c'était un. Ça, c'était une maison de riches en fait. Et ils avaient tarpin d'esclaves. Et en fait, j'ai pas tout coupé parce que c'était en anglais. Mais si tu veux, là il y avait la grande maison des riches, donc qui est derrière moi. Là. Et en gros, ce qu'ils disaient, c'est que on est allé visiter tout à l'heure. Je sais pas si j'ai fumé. Toutes les maisons, peut-être que vous avez déjà vu ou sinon vous allez les voir, c'est des maisons d'esclaves. Et ce qu'ils disaient, c'est que c'est une colonie, je crois, qu'on appelle ça. Et en gros, là, t'as tous ces arbres, frérot. Ils ont genre. Ils ont 500 ans. Et en fait, il y en a que genre 6 qui étaient déjà plantés, qui ont poussé pendant 500 ans. Les. Je sais pas combien il y en a d'autres. Mais je compterai et je dirai en vidéo après. Mais. En gros, tout ça, pour le quadruple, ils sont importés. Ils faisaient déjà cette taille quand ils ont été importés. Ils les ont transportés comme ça en fait. Du coup, voilà. Regardez. La taille qui est... D'ailleurs on peut aller dans l'herbe, j'ai vu des gens dans l'herbe. J'ai dit que j'allais courir dans l'herbe. J'ai dit que je courrais dans l'herbe. Ok les amis, j'ai fait une course dans les arbres. Vous aurez une vidéo. Pourquoi du coup je me rapproche même de cet arbre? Je crois qu'il fait... C'est bon. Je fais un peu... Presque 1m80, j'avais même pas la taille de la première branche. Dis-toi que la première branche elle est pas si haute comparée au reste. Je vais filmer de loin pour qu'on voie tout. Est-ce qu'on voit tout à la caméra là? Même pas. Ah si, voilà. Frérot, vous avez le cadre de l'arbre, de la racine, tout en haut. Et c'est même pas le plus grand arbre. Hein. Frérot, lui il va un peu haut. Lui c'est un géant, frérot. Lui c'est énorme. Et t'as vu, frérot, ils ont des branches qui font déjà la taille d'un tronc. C'est un truc de ouf. Et sur ces autres branches, tellement elles sont grandes, il y a d'autres branches. Hein? Ah ouais. Et en fait, voilà. Voilà, ça fait pas. Wesh! Guettez l'araignée, on dirait un crabe. Wesh! Pourquoi elle a une carapace de crabe? Tu l'as vu? Wouah, elle est énorme! J'aime pas ce genre de choses, moi. Du coup, je me disais, attends, je vais pas filmer là parce que je vais me faire manger par une araignée. Mais regardez, tellement je peux passer sur la branche. Hop là, guettez, voilà. Regarde, frérot, elle pousse dans la terre tellement elles sont lourdes. Elle continue de pousser. Et regardez, là, ça se voit bien. Elles ressortent comme des racines, sauf que c'est des branches. Là, t'as vu tellement ça a sauvé de la terre à côté et tout. Je suis aberré. Ouah, j'ai marché dans une toile d'araignée. Quand tu regardes la taille du truc. Regardez. Attends, bouge pas. Regardez, on va faire un vrai exemple. Je pense que vous voyez mon frère là. Regardez, il est tout petit. Il est tout petit. La taille du... Voilà, voilà. C'est vraiment cool à voir. Les amis, je me suis aventuré dans les bananiers comme vous pouvez le voir. Là, on est dans les bananiers. On est bien. Je sors parce que c'était pour une photo Insta. Bon, Insta s'affiche en description d'ailleurs, hein. Si vous voulez vous abonner, ça fait plaisir. Oh là là, c'est incroyable en vrai. Bon là, il y a les toilettes, je sais pas si vous voulez que je vous les filme, mais ça n'a aucune importance. Oh, ça c'est stylé, ça je connais, on en avait à la maison, c'est hyper doux. Arrête. On en avait à la maison. Chez nous? Ouais, c'est le truc qui ressemble à un sapin, mais c'est hyper doux. Chez nous? Oui. Non. Mais c'est mieux ça. Ah bon? Pas chez moi. Ah, bah c'était dans mes rêves. Le sugar cake. Ah, bah le sugar cane. Ah, c'est le cinéma de la canne de sucre. Connaissez-vous le cinéma de la canne de sucre? Tu peux le dire en commentaire. Ok, where it goes? Cinéma de la canne de sucre.
No smoking. A saccharometer is used to test the juice for sucrose and sugar content. Oh, la roue, frérot, elle est big. Ah, regardez les amis, ce qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai montré avec les voilà, le truc où il y avait les poissons rouges, que ils l'ont retransformé et ça servait à cuire le sucre, parce qu'ici il y a tant de canne à sucre en fait. Et en vrai, ben voilà, attendez, c'est ça une canne à sucre, ceux qui ne voient pas, c'est ça. En gros, là, c'est là-dedans qu'il y a de sucre que vous mangez, la 24. Et en fait, avec la cuve, il faisait cuire et il faisait fondre en fait. Si j'ai compris, mais normalement j'ai compris. Je me renseignerai avant de sortir la vidéo. Mais attendez, parce que ça je le veux dans mon studio. Mais pas aussi gros, mais tu sais, en mode les petits trucs rouges avec... oh, il y a un fruit. Faut pas le manger. C'est une canna, canna X. Canna Gardens. Le saviez-vous? Non. Ah, bah, c'est mon premier jour d'apprentissage. Mon premier jour de sucre de canna. Ah ben voilà, je voulais vous montrer ce que c'était une canne à sucre. Ah, c'est ça? C'est une marmite pour bouillir le sucre. En gros, c'est une canne à sucre, les amis. Là, elle est en pleine poussée, donc en création là. Mais du coup, voilà. Donc, les amis, ce que je vous disais tout à l'heure sur les cabanes en bois des anciennes colonies, en gros, c'est ça. Mais en gros, là, les petites maisons comme ça, c'est là où les esclaves dormaient, vivaient. Et je crois que là, c'est les toilettes là-bas. Les petites cabanes là-bas, c'est les toilettes. Et ça, comparé, c'est la grosse maison des riches en fait. Et voilà. En fait, on fait une comparaison, c'est que frérot, la maison d'esclaves, frérot, elle est 40 fois plus petite que celle des riches. Hein. C'est choquant. Et là, les amis, on va partir, on va prendre le bus. Et je pense que je vais peut-être vous filmer ce soir si on fait un truc. Ou, en tout cas, je vous tiens au courant, je vous dirai peut-être bonne nuit, je sais pas. Et puis voilà. Les amis, on est dans le bus et en fait, frérot, j'étais sur mon tête. Lève la tête, frérot. J'ai ça sur la route. C'est la preuve, non? Frérot, je lève la tête et j'ai un lac qui fait 1000 km, on a l'impression. On voit même pas le bout. Et t'as vu? Il y a des trucs électriques qui traversent le lac. Genre là, c'est commencé à la côte et j'ai pas eu le temps de filmer à ce moment-là. Et ça rejoint la côte qui est tout là-bas. Alors, je sais pas si on voit trop. Guette, guette, on rentre dans la nature. Genre ça pousse dans l'eau, ça, les amis. C'est vraiment trop stylé. Les amis, on a fini de déjeuner. Vous avez eu un petit extrait, je pense. On va partir à New York et on se prend des céréales Simpson. Sachez-le. Sachez-le. Du coup, hier, j'ai pas filmé le resto parce que bah, j'étais fatigué. On part à l'aéroport pour partir à la deuxième destination que vous connaissez pas encore. Vous allez voir, ça va être incroyable. Voilà. Les amis, alors tout à l'heure, j'ai pas filmé parce que j'avais bien la flemme. Mais en gros, on venait de rentrer dans l'ascenseur. Moi, j'étais rentré déjà. Et il y a lui, donc mon frère, qui rentre et qui lâche le plus gros pet de sa vie. Alors qu'il y avait un mec dans le coin là, et il l'avait pas vu, il rentrait sur le côté comme ça. Et il l'avait pas vu, il a lâché un plus gros pet de sa vie. Donc c'était juste pour la petite blague parce que ça m'a fait rire. Et je suis toujours pas remis, ça me fait rire. Et en plus, on a dû déjeuner à côté de lui, donc c'était bien drôle. On n'écoutait pas, ça m'a bien fait rire. Et puis voilà. Les amis, j'ai essayé de filmer le mec sur qui mon frère a pété tout à l'heure. J'attendais, parce qu'il faut que ce soit discret. Frérot, depuis tout à l'heure, c'est... j'essaye de broder pour filmer le mec, mais en fait le problème c'est que c'est drôle. Frérot, la voiture elle est énorme, sa mère. Choqué du bail. Elle est énorme. Ok les amis, on vient d'arriver à l'aéroport. Frérot, le chauffeur il était trop sympa. À un moment j'ai essayé de lui poser une question, frérot, il m'a jamais répondu, il m'a pas entendu. C'est pas grave. Frérot, je lui ai dit excuse me une fois. Je lui ai redit excuse me deux fois. Après j'ai eu trop la peine, je suis allé nique sa mère. Ma valise a été très petite, frérot, d'un coup elle se secoue dans tous les sens. Les amis, je viens de voir un truc, je suis dans l'aéroport de Nouvelle-Orléans les amis. Et je vois qu'on va passer les 300 abonnés, du coup je voulais juste vous dire merci pour ça les amis. Petit aparté, mais on a tourné la vidéo en novembre et aujourd'hui on est en février quand je monte la vidéo. On a déjà passé les 2000 abonnés, donc je vous remercie énormément pour ça et je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On va partir dans une ville de fou alors qu'on passe les 300 abonnés, c'est juste incroyable. C'est incroyable, non? Ouais. C'est incroyable, non? C'est incroyable, c'est carrément incroyable. Il est choc bar en fait. On va repartir dans la deuxième ville où on va faire notre voyage, ça va être incroyable. Déjà la Nouvelle-Orléans, c'était trop bien. Là on passe
à la meilleure ville pour moi. C'est parti. Frérot, on est en première classe. On vient de voir ça. On a même pas fait exprès de prendre première classe, frérot. Regarde ça. On a fait zéro queue. On attend là. Et après, on y est. Parce que frérot, il y a toute la queue là à faire. Vraiment, on a trop de, on a trop de la chance, frérot. Les amis, en fait, on n'était pas au courant, mais on a pris la première classe. C'est incroyable. Frérot, déjà, regarde la route à laquelle on est. Première classe, il y a des trucs de fou. Genre, il y a un burger. Du coup, j'ai pris un burger. Là, une salade. Moi, j'ai une salade comme ça. J'ai un petit frigo. Et je regarde un petit film et tout. Donc, les amis, on est en première classe. C'était pas prévu. Les amis, on va bientôt atterrir. Est-ce que vous avez une idée de où est-ce qu'on pourrait être maintenant? Parce que je ne vous ai pas dit où on allait. Est-ce que vous avez une idée de où on pourrait aller en haut? Il y a la ville. Vous pensez qu'on peut aller où? Passer à la 10, Spider-Man. On est actuellement dans l'aéroport de New York. Voilà, bah, c'est ça la ville, c'est New York. Ça, frérot. Bon, jamais tu le vois en France, ça. Hein. Jamais tu le vois en France, ça. Jamais. On attend nos valises, les amis. Elles sont en cours d'arrivage. Moi, j'étais en train d'attendre ma valise. Et du coup, tu sais, je regarde le truc où il y a des valises qui tombent. Logiquement. Et en fait, comme on est descendu, je me suis pas dit, ah ouais, peut-être qu'elle est déjà tombée du truc. Et en fait, elle est passée devant moi. Et je me tourne la tête 3 secondes. Frérot, elle était de l'autre côté. J'ai bien couru avec ses cheveux. Normalement, il y a un taxi qui vient nous chercher avec nos noms. Là, on attend le taxi. L'aéroport ouais. Pas l'hôtel, mais le centre de New York de l'aéroport. Le taxi. Vas-y, casse-toi. Il y en a plein de cul. Ok, les amis, c'est parti. C'est bon, je veux voir le mec avec la tablette qui me dit Welcome to New York City. Bon, juste comme ça, j'aime trop New York alors que je suis juste dans le parking. Bon, il y a les taxis jaunes de New York. Après, bon, il y a le tractopelle jaune de New York aussi, mais c'est pas la même. Frérot, ils sont incroyables les taxis. Moi j'aime trop, voilà tout. Moi je dis voilà tout en fait, voilà tout. C'est trop beau frérot, c'est hardcore. Ok les amis, il y a notre taxi qui vient d'arriver frérot. Il est... C'est encore un 4x4. Quand tout à l'heure on était déjà sur un gros truc. Là frérot, c'est un monstre truc que déjà je suis pété un crâne. Frérot, la voiture elle est immense. On m'a ouvert la porte. On m'a ouvert la porte. Je suis légitime à vous en fait. On va être à New York, mais en fait on est à New York. Les amis, on se rapproche de plus en plus de notre hôtel. Et c'est dans Times Square. On est dans Times Square. Est-ce que vous voyez ce que c'est Times Square? C'est en face de moi. Je suis choqué là. Hein? Non mais là. Non mais. Tu trouves ça drôle? Je m'incruste dans le vlog. Je trouve ça drôle. Ouais. Ok, ça sera regardé au montage alors. Oui. C'est ça Times Square les amis. Avec tous les écrans énormes sur le... C'est baisé. Mais ça par contre ça c'est des écrans. Tout ce qu'il y a sur les murs en fait, c'est des écrans les amis. Il y a un mec entièrement doré les amis, je sais pas si vous voyez. Hop là. Et lui les amis c'est un artiste en fait. Et du coup c'était quoi ta blague? Autant c'est Julien Doré. Exactement. Autant c'est qui? Je parle de Julien Doré. Et j'ai une vraie question pour vous. Est-ce que pour l'instant vous avez un avis sur New York? Les taxis jaunes de New York, il y a les tractopelles jaunes de New York. Sachez-le, c'est important à savoir. Frérot, on vient à peine d'arriver, on est à pied dans New York. C'est incroyable. On va dire les termes. On est au milieu de New York. Ok les amis, donc je vais juste, je vous reprends juste un peu pendant la vidéo. Parce que frérot, on est dans New York. Je sais pas si on se rend compte, on est dans New York frérot. Qu'est-ce que ça? C'est quoi cette dinguerie frérot? Frérot, c'est vraiment une dinguerie. La ville est incroyable. Elle est incroyable la ville. On se balade, il y a toujours un truc qui se passe. On est dans New York, c'est incroyable frérot. Regarde tous les écrans qu'il y a ici. What the hell? Make some noise! Stand up guys, stand up your life! Ladies and gentlemen, give the volunteers a round of applause! Frérot, il est trop fort. Il est sorti au-dessus de 3 personnes au calme. Donc comme s'il le faisait tous les jours. Il doit le faire tous les jours.
Il y a deux Yeti. Regardez, il y a des Yeti. Frérot, c'est ça les escaliers utilisés. Bon, on les voit pas trop parce qu'il y a ta femme. C'est incroyable. Non, j'ai le temps, ça marche. Je pensais juste, je les ai juste vus dans Spider-Man. J'avoue, je pensais jamais monter dessus. Oh, la vue qu'il y a. Oh, il y a une vue, sa mère. C'est monstrueux, hein. Carrément, je m'assois là. Carrément, je m'assois. On en parle que frérot, hier, j'étais, mais même là, tout à l'heure, il y a un peu moins de 10 heures, on était en Nouvelle-Orléans, il n'y avait pas ça fou. Oh là là, incroyable. Les amis, on va partir des marches. Et les amis, là, on va partir où? On part où? Par Broadway, les amis. C'est incroyable. Ouais, lui, c'est le vrai hein, de Spider-Man, les gars. Oh. Il est sur une jardinière. Il est pas sur un toit, on se demande pourquoi. Hein. Frérot, magasin M&M. Il y a des bonnets M&M's. Frérot, ça c'est des bracelets. Hein, c'est des trucs de tête. Il y a des Skittles. C'est quoi? C'est des sucres d'orge. Ah non, c'est des. C'est des Hoogen. C'est vrai. C'est ouais. Ça tombe bien, j'en ai pas. J'ai jamais pensé qu'il y aurait des figurines M&M's. C'est assez simple en plus, ça fait. Et ouais, ils sont pas allés plus longtemps. C'est trop stylé. Ça va, c'est quand même de masse, des milliards de M&M's. Ah, mais les orangés, les amis, saviez-vous que dans les magasins M&M's, ils rangent les M&M's par couleur? Oh, je viens de découvrir ça, c'est incroyable. Ouais. Ça a pas la forme d'un M&M's, ça a pas cette forme. Je sais même pas en vrai. Un M&M's, ça a pas cette forme. Là, c'est la vie que tu t'as. Mais de toute façon, tu peux en prendre un. Hein. Genre là tu tiens. Moi je vais regarder ma couleur d'M&M's. On va détecter ma couleur d'M&M's les amis. Couleur d'M&M's. La réponse est maintenant. There's nothing you wouldn't do for a friend. J'irai voir sur Google traduction, je vous mettrai la traduction. Hein. Ils sont trop beaux de cette couleur. Bah ça y est que. Sachez que je suis de couleur marron M&M's. Ah ouais. On se demande pourquoi. Pourquoi? Que tu cheats toute la journée. Frérot, il y a des M&M's I love New York. Je suis choqué là. Il y a des M&M's I love New York. C'est pas des M&M's, ça fait. Ah j'en ai aimé. Mais là t'es accepté de partout où tu vas. Hein. Il n'y a aucune boîte qui a le droit de refuser. Ah ouais mais là c'est sûr. Ok les amis, on va prendre des M&M's peanut butter. T'es prêt, tu filmes? Pas trop. On va les manger. En fait, je sais pas. C'est quoi le. Non, bon, on n'y connaît rien. Vas-y, filme. Oui. C'est... Comment ça marche sur le poids? Oh, il y a la statue de la liberté. C'est bon, on va prendre la statue de la liberté. Les amis, on vient de prendre des tickets de métro. Ils sont juste là, ils sont trop beaux. Ok les amis, on vient de sortir du métro et on va aller au One World Trade Center. Donc je vous mets une petite histoire vite fait où je vous raconte un peu l'histoire du One World Trade Center. Et frérot, c'est là. Je crois que c'est ça, hein. Frérot, c'est cette tour, je crois. Incroyable. Salut, c'est moi, la voix off, avec 6 mois de retard. Donc, en gros, je vous résume le projet très vite. Le One World Trade Center est là pour remplacer les World Trade Center, donc les deux tours jumelles qui ont été explosées en 2001. Et donc, en 2006, le One World Trade Center a été construit dans le Lower Manhattan. Tout ça pour remplacer les World Trade Center. Donc, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Mais attends, mais il y a des bâtiments comme ça. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait. Bon sang, le mec, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, c'est vrai. Comme c'est trop stylé. Ça, les amis, c'est un centre commercial. Choc bar. Regardez, les amis, j'avais pas vu. Ils sont en train de monter sur l'immeuble. Enfin, sur le centre commercial, du coup. J'avais pas vu. C'est incroyable, là. Ils font de l'escalade, là. Regardez ça.
Stylé. J'ai même pas les mots. Sachez qu'il y a, il y a une des plus grosses fontaines du monde là, hein, j'ai l'impression. On a trouvé une genre de fontaine. Je sais pas si c'est ça le One World Trade Center. Là, vous pouvez vous dire que c'est juste un truc normal. Mais je pense que c'est ici le One World Trade Center. Wesh. C'est ça tu crois? Là les amis, ça c'est les noms des gens qui sont morts dans la... Symbole, ouais. Le symbole il était à gauche là. Non, c'est énorme. Regardez, il y a encore un trou là. Ça c'est la nouvelle tour les amis. Parce que du coup il y avait les tours qui étaient qui ont été détruites. Et du coup ça il y en a une qui a été reconstruite. Et là bah, c'est le trou. Ça du coup les amis c'est l'emplacement de l'ancienne tour. Et là il y a la tour qu'ils ont reconstruite. Il y a deux tours qui ont été détruites. Et ça c'est les noms des gens bah, qui sont décédés dans le truc. Donc les amis, je viens de faire une petite photo avec les sculptures là. Donc c'est... En fait c'est plein d'animaux sur des vélos, donc c'est assez stylé. Là on va se diriger. Je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe, je t'avoue. Regarde ça, les voitures de police elles sont incroyables. Ça c'est dans Spider-Man, sachez-le. Ça c'est dans Spider-Man. Oh regardez, il y a une planète. Il y a une planète. C'est pas censé exister là. Ça s'appelle le Beverly Barkat Earthquake. Bah, c'est un bulldozer. Hein. Oh regardez, regardez, il y a des gens avec des drapeaux. La voiture c'est un bulldozer. Ça je sais pas ce que c'est donc la garde royale des États-Unis sans royauté. Les amis, on part déjeuner au pain quotidien. Oh, ça, t'inquiète pas, ça va bien. Là, on est bien. Thank you. On va juger leur cuisine à présent. Ok, les amis, on se dirige vers le ferry. Incroyable. Oh, il fait trop froid, c'est quoi leur pic ici? Alors là, il y a la mer. Les amis, on va prendre le ferry pour aller à une activité et je pense que vous allez kiffer. Parce que quand on va à New York, on veut la voir. Et voilà, je donne pas d'autres indices pour le moment. Il fait froid. On va voir une dinguerie. Je la vois de loin, c'est une singerie de se dire ah ouais elle est là, c'est incroyable quoi. C'est incroyable, je suis choqué quoi. Les amis, là-bas il y a la statue de la liberté. J'aurais trop aimé qu'on y aille, mais du coup voilà, on va pas à cette activité pour l'instant. Ouais, l'horloge Colgate. Exactement, il y a une horloge Colgate, ça c'est particulier quand même. Ok les amis, on vient d'atterrir. On vient de débarquer du bateau. Et puis gros, on est sur une nouvelle île de New York. Et ça c'est là où on était là-bas. Incroyable, je suis tout petit. C'est incroyable. C'est vrai. 4 slips, 3 slips, 2 slips, 1 slip, après c'est à poil. Bien vu. Les amis, on est passé du côté de l'île où il y a le soleil. Donc là c'est trop bien, il fait bon. Il fait 10 fois meilleur que tout à l'heure. Tout à l'heure il faisait bien froid. Là on est yeah. On se dirige vers une activité que vous allez kiffer. Hein. On prend le train extérieur. Ah je suis yeah. Ah là, on est bien. Bon, on est un peu perdu. Et voilà. C'est le risque du voyage, j'ai envie de dire. On va prendre le ferry. Frérot, il est juste là. C'est incroyable frérot. Vous pensez qu'on va en prendre un ferry? Parce qu'il y a plein de temps où on peut aller en prendre un ferry. Moi je sais. Oh là je suis heureux là. Là frérot, je suis heureux ça va. Ça va être incroyable. Côté sur moi ça va être incroyable. Les amis, on est en train de descendre sur Liberty Island. Liberty Island, c'est là où il y a la statue de la liberté. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à voir cette image de fou furieux? Parce que moi, je viens de la voir. C'est incroyable. Héros. C'est quoi cette vue? C'est quoi cette vue, frérot? Avec le drapeau. Non, c'est gore de fou. On a une là, il y a la statue de la liberté. C'est aberrant, frérot. Oh là là, on est à Liberty Island. Incroyable. Les amis, on est actuellement devant la statue de la liberté. C'est incroyable. Je suis devant. Genre là, regarde ça. Il y aura des photos sur Instagram. Je vous mets en description de la vie. Je suis devant la statue de la liberté. C'est un truc de zinzin. Genre là, devant. Non, c'est incroyable. J'ai même pas les mots. Les mouettes, par contre, elles ont un accès premium. Hein. Elles sont dans le. La statue de la liberté, elle grandit de 10 cm entre le jour et la nuit. En fait, je vous explique vite fait, c'est parce que, en gros, je crois qu'elle est en cuivre ou quoi. Et en fait, entre le jour et la nuit, elle se dilate et du coup, elle gagne de 10 cm et après, elle en perd de 10 cm à chaque fois. Voilà, c'était la petite information qui a été récoltée par cette personne, l'information. L'information de quoi? Tu peux dire ton prénom? Je m'appelle Taz.
Frérot, là, hop, c'est carrément carré là. Elle est énorme. C'est une dinguerie. Les canards, ils ont des choix de luxe. Hein. Ils viennent à côté de la Statue de la Liberté. Ils sont luxueux, les canards, frérot. Ils viennent se faire bronzer à la Statue de la Liberté. Mais ils ont des têtes de luxe. Le saviez-vous, elle a des pieds, la Statue de la Liberté. Le saviez-vous, elle a des chaînes. Le saviez-vous, elle a un lit. Ça, vous le saviez, je pense. Le saviez-vous, elle a une tête. Là, tu crois? Non, mais on est devant la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, ah ben là, il y a une chair d'oiseau. Elle est représentée comme la mère des exilés parce que en référence aux esclaves apparemment. Si j'ai tout compris du panneau explicatif, apparemment c'est ça. Les amis, on était à la Statue de la Liberté et on se retourne et il y a un bateau de l'armée, frérot, c'est aberrant. Frérot, tu sais qu'on en parle pas assez mais c'est trop stylé. Hein. Regarde. Là, je passe sur la voie. Je passe sur la voie. C'est incroyable sa mère. On est à côté de la Statue de la Liberté les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a. Je suis devant la Statue de la Liberté. Très gros, elle est incroyable. Frérot, c'est que ça m'aime. Genre là, je suis en syncope, frérot. Je sais même pas comment c'est possible de fabriquer ça. C'est énorme. Je sais pas si on se rend compte, je crois qu'elle fait 100 mètres, un truc comme ça. Pour la petite anecdote, c'est Gustave Eiffel qui a fabriqué la Statue de la Liberté, qui a fabriqué aussi la tour Eiffel. Et c'était un cadeau pour l'Amérique en rapport avec les esclaves et tout. Et ils l'ont apporté en petits morceaux et ils l'ont monté comme des Legos en fait. Les amis, on est rentré dans le musée de la Statue de la Liberté, frérot. On est tombé sur des pieds. Regardez ça, on est tombé sur des pieds. Et je me suis dit, frérot, le coupe-ongle qu'il faut avoir pour ça, c'est une aberration. Et en fait, je découvre que la Statue de la Liberté, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, ça, c'est le piédestal. Donc, vous voyez, il y a toute une armature de fou. Et en fait, à l'intérieur de la Statue de la Liberté, il y a déjà une armature. Et nous, ce qu'on voit de dehors, nous on voit ça. Et du coup, à l'intérieur, il y a une armature de zinzin. On est sur le rooftop devant la Statue de la Liberté. C'est juste incroyable. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Il y a le drapeau. Comment ne pas être trop bien là? Regardez ça. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Je suis choqué. Les amis, la session Statue de la Liberté est terminée. Donc on est dans le ferry, elle est juste là, elle est magnifique frérot. On rezoome dessus, sur la Statue de la Liberté. On est resté beaucoup de temps, 3 ou 4 ans. 7 jours. 7 jours, 7 jours exactement. On a dormi dans le flambeau de la Statue de la Liberté les amis. Juste là-bas. Les amis, on est actuellement dans The Edge, c'est un des gratte-ciels de New York qui est incroyable. C'est trop stylé là. Je sais pas si vous connaissez The Edge les amis, c'est vraiment trop stylé, c'est un gratte-ciel dans New York. Et c'est genre... c'est insane. J'ai l'impression d'être dans une attraction de Disney. Tu trouvais pas qu'on est dans une attraction de Disney avant? Ouais, ça le tue. Genre avec les décos et tout. Ça c'est des vraies racines vous croyez? En fait on aurait pu regarder. Oh, y a de l'eau. Underground rain storage. We collect and store 10 millions. C'est trop stylé. Et il y a une vitre là? Il n'y a pas de vitre? Il n'y a pas d'eau. Enfin, il n'y a pas de vitre. Du coup, on peut toucher. C'est trop stylé. Ça refait l'orage en fait, les amis. Et bon, il y a ça. Ça, c'est Laurent Cuberry, je crois. Bon là c'est changement de décor hein. Ah c'est la ville qu'on voit là. C'est peut-être dehors en réel non? Non. Ouf, on voit pas. C'est quoi cette vue de zinzin? C'est quoi cette vue de frérot, est-ce que vous vous rendez compte de où on est? Incroyable. Les amis, vous vous rendez compte de là où on est? Guettez ça. Oui, on se fait pas des... Non, c'est un truc de ouf. Tu sais qu'on se rend pas compte, mais... C'est dingue. Et d'être venu maintenant, je crois que c'était un meilleur moment. C'est monstrueux. Voilà la statue. Ouais, elle est là-bas. Elle est tout là-bas. Ah ouais. C'est vrai qu'on était là-bas. On a fait trop de chemin. On est parti presque de là à pied au final. Ouais. C'est trop beau. J'arrive pas à me dire dans ma tête, on est à genre 100 mètres là. Regarde là, la pointe elle est là. Oh. On est à plus qu'à 100 mètres, on est au centième étage. C'est quoi le centième étage? La vue elle est incroyable. C'est
surréaliste de voir ça. Ouais. Mais j'ai du mal à assimiler en fait. Ouais. Et tu vois ça, mais. À un moment, tu te dis, mais. C'est une photo en fait. Mais combien? Ah là, il y a tout qui s'éclaire, tout, c'est magnifique. Putain, c'est trop stylé. Regardez la hauteur à laquelle on est. Genre, c'est. La petite voiture tout en bas jaune là. C'est, en fait, c'est hypnotisant quand tu regardes. On s'en rend pas compte. Mais putain, qu'est-ce que c'est incroyable. Les amis, regardez. Regardez le sol en vert. Oh, ça me fait bader. Et comment ça, je m'allonge? Ça, c'est ma mère. Ça fait peur. Ça fait bader comme ça. C'est étrange. Genre là, t'es au-dessus du vide. Oh les amis, j'étais pas bien. Je te jure. On m'a dit. C'est des angoisses. Ah ouais, là, c'est magnifique. En fait, je sais pas s'il y aura le même. Ton cerveau, c'est pas s'habituer à cette. Là, on me voit très peu. Là, je suis invisible. Les amis, on est actuellement dans Times Square, les amis. On a toujours les gros écrans et tout. Tout en grand en fait dans Times Square, les amis. On va se diriger vers un endroit assez sympa que je pense que vous connaissez à peu près tous, de New York, qui est tapin connu, qui fait un bon tiers de la ville, je crois. Du coup, c'est parti, on y va. Regardez les écrans de fou qu'il y a, c'est vraiment énorme. C'est quoi? Regardez, il y a une structure gonflable, elle est énorme. Et ça s'appelle le Martha Miju Minujin Sculpture of Dreams. C'est trop stylé, frérot. Times Square, je l'avais pas vu de jour, c'est très stylé aussi. Hein. Frérot, tous les écrans qu'il y a, c'est aberrant. Mais je sais pas s'il y a d'autres magasins M&M dans le monde, parce que je n'ai jamais vu, en tout cas en France, je n'ai jamais vu des magasins M&M. Je sais pas s'il y en a que ici, ou c'est de partout et je suis juste perché. Les amis, je suis devant ce que je vous ai dit tout à l'heure, ah ouais, ou que vous connaissez forcément. Je suis devant Central. Partout. Incroyable. Regardez les tours comment elles sont grandes. Les amis, cette tour en bleu là, elle est. C'est quoi déjà la tour grande comme ça? Je sais pas comment ça s'appelle. Billionaire's Row. En gros, Billionaire's Row, c'est un ensemble de gratte-ciel résidentiels ultra luxueux construits ou en développement qui sont disposés le long de l'extrémité sud de Central Park à Manhattan. Regardez, il y a des chevaux. J'ai des tours de calèche. J'avais vu ça sur TikTok. Je vais essayer de trouver des écureuils. Essayer, genre, tu prends des noix apparemment et ils montent sur toi et tout. Du coup, j'ai bien envie d'essayer. Vous avez une photo juste là de la taille de Central Park pour vous rendre compte vraiment de comment c'est énorme comparé à New York. Genre, là, on est sur l'île de Manhattan. Juste pour vous rendre compte de la taille de Central Park comparé à Manhattan. Moi, je dirais que c'est le tiers. Énorme. Les amis, je rentre dans Central Park et on découvre que c'est de la fausse herbe. En vrai, c'est de la vraie herbe, mais en rouleau. Il la déroule et il la pose juste. Quand l'herbe elle devient jaune, il l'enlève et il remet des nouveaux rouleaux. Du coup, en vrai, voilà, je savais pas. Oh, il y a un écureuil. Je veux retrouver tous les écureuils de New York. Faut maintenant, j'ai trop envie d'en voir. Faut qu'on achète des noix. Faut qu'on achète des noix. Au moins, il vient. Tu es. J'ai une strat de fou furieux. En gros, je devais acheter des noix pour la tirer vers moi. Et en fait, frérot, je suis trop bête. J'ai vu ce qu'ils mangeaient et je commence à récolter des noix. Au moins, ils vont venir sur moi et ils vont faire. Okay, là, il y en a un, il est seul. Il est hors de la troupe. Il est pas belle, lui. Lui, il est loin dans la vie. Il a trouvé une noix. Putain, le bâtard. Apprivoiser des écureuils, je me suis gavé. Je suis trop fort en fait. J'ai une strat, elle est incroyable. Les amis, donc là actuellement on est dans Central Park, les amis, et c'est trop stylé. Regardez ça. C'est trop beau. Oh, the fuck. C'est une fontaine ça, les amis. Vous voyez tout au fond, c'est une fontaine. Les amis, il y a un faiseur de bulles. Oh, les amis, on est actuellement au lac de Central.
Et en fait, si tu veux, au lac de Central Park, tu peux faire un petit plongeon comme ça. Hop, t'es bien. Là tu fais un petit plongeon, tu veux pas faire nous faire un petit plongeon pour la vidéo? À quel point c'est profond? Je sais même pas. C'est profond. Non, je pense un peu quand même. Il y a des bateaux de temps en temps. Ah ouais. C'est trop beau. Oh regarde, un seul pleureur. Tino, as-tu vu un seul pleureur? Ouais. Solar pleure, tu fais pas ça. Les amis, c'est le moment jamais de vous montrer comment on nourrit un écureuil. Il a été attiré. Donc comme ça qu'on nourrit un écureuil. Les amis, vous avez sûrement vu le documentaire qui dit comment nourrir un écureuil par Mimi. Donc voilà. Attends, je vais le poursuivre. Les amis, j'en ai caressé un. Hein. J'ai caressé. Oh, lui. Spider-Man. Les amis, on sort de Nike, il y a ça. C'est quoi ça? C'est la sangria, je crois. C'est la sangria, c'est un pot. En fait, ce qu'on voit là, c'est la cathédrale Saint-Patrick à New York. C'est une cathédrale catholique romaine qui a été construite de 1858 à 1878 et elle fut consacrée en 1879. La cathédrale Saint-Patrick, c'est aujourd'hui la principale église catholique de New York. Ces deux flèches de 100 mètres de haut furent ajoutées en 1888 et c'était à l'époque la plus haute construction à New York. Les amis, on va essayer de rentrer dans ça. Oh, c'est stylé de fou. C'est vraiment stylé les amis. C'est énorme. On rappelle Tino la messe de minuit. Les amis, je sais pas si on voit trop aujourd'hui. On est actuellement sur le pont de Brooklyn. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est trop stylé. Excusez-moi de le dire, c'est trop stylé. C'est trop stylé? Ouais, c'est stylé. C'est stylé. Trop stylé? C'est incroyable. Ok. Et on a vu sur un deuxième pont. Du coup, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Et on a vu sur le côté de Manhattan de la ville, les amis. Ouais. Les amis, c'est trop stylé. Regarde ça. Regarde ce pont, frérot. Regarde les gens qui sont à côté. C'est. Bah, ça, c'est tout petit. Ouais. Il y a la statue de la liberté tout là-bas, les amis. Ça, c'est un câble, frérot. Ça paraît incroyable, mais c'est un câble, ça. Ouais, je vais pas trop. Oh, attention, j'ai pété un câble. Ouais. Attention, j'ai pété un câble. Oula, là-bas il y a la statue de la liberté, les amis. Wesh, attends, viens. C'est trop stylé ça. Wesh. The fuck. Frérot, c'est juste énorme. Regardez, on va comparer ma mère à côté. Mère est là. Le haut du pont est là-haut. Pour vous dire. Ouais. En fait, le pont de Brooklyn est aussi célèbre parce qu'il fut le premier pont suspendu en fil d'acier et au moment de sa construction, sa travée principale de 486 mètres en faisait le pont suspendu le plus long du monde. En 1867, l'architecte Augustus Roebling fait accepter le projet de construction d'un pont. Symboliquement, l'ouvrage relie les deux mairies, mis en service le 24 mai 1883. Après 14 ans de travaux, le pont de Brooklyn est traversé ce jour-là par 1800 véhicules et 150 000 personnes. Les amis, on est le lendemain et on est devant un magasin Nintendo. Je savais pas que ça existait. Il y a plein de choses en fait qu'il n'y a pas en France et qu'il y a ici. C'est stylé en vrai. Bonjour les amis, bon là il y a tous les jeux frérot, hein, je crois. Hein. Les magasins Mario, je pense qu'il y a tous les jeux du monde entier frérot. Look for town. Oh, il y a Bowser, c'est énorme. Il y a Bowser, il fait genre 90 mètres. Il est trop bien fait. Il y a les petites briques, il est énorme. Il y a des sourcils, la bouche. Il y a un peu de Donkey Kong. Ah, mais c'est des prises. Le batterie stand de Zinzin. C'est un Luigi. Vas-y, non. Je sais pas, c'est un Luigi. C'est quoi Luigi? Oh! Je crois que j'ai vu Luigi là-bas! T'as le champignon!
Champignon fun. Et là, oh, regardez Mario là-haut. Il est énorme. Oh, c'est énorme. Là, t'as toutes les anciennes la console de Nintendo, je crois. La Wii, elle est fantastique, je crois. C'est beau, là, il y a presque tout. C'est beau, il y a des écrans qui font genre 9 tailles. Regardez ça. Regardez ça, en fait. C'est énorme. C'est incroyable. Quoi. On va se faire un petit Mario Kart, les amis. Bien, il faut se mettre à deux joueurs. Les amis, on a fait une petite game de Mario Kart et j'ai été 4ème et 5ème en point. Là, il y a Zelda Flow. Il est trop stylé, sa mère. Il a la main. J'ai jamais joué à Zelda Flow. Je pourrais pas dire. Il a la main grenadine. Ouais. Ah, il a la main grenadine. Il a le cœur grenadine. Les amis, on a une activité à faire, mais d'abord, on est rentré dans un magasin de jouets qui est trop stylé. Il y a un avion. Oui, c'est un avion. C'est vraiment trop stylé. C'est un magasin de fou, ça. Ça, c'est toute mon enfance. Alors, j'avais ça quand j'étais plus gros, c'est dingue. 25$, donc certainement pas. Les amis, on va bientôt rentrer dans les catacombes de New York, dans la cathédrale Saint-Patrick, je crois. Donc je sais même pas ce que c'est une catacombe. Je vous dirai plus tard dans la vidéo en voix off, j'imagine. Et je vais vous filmer quelques moments de la catacombe. C'est là, non? Non. Ah, c'est un restaurant là. Ouais, c'est vrai, c'est un restaurant. Okay. Catacombe by Candlelight. Ah, c'est là. Ok, on rentre. Vous êtes sûr que c'est là? Les amis, on est sortis du magasin de jouets et là on est devant une patinoire. Et tout ça. Vraiment, on commence à faire un peu le tour de New York, frérot. Et en fait, on découvre qu'il y a tout dans New York. Genre, t'as New York, tu vois tout. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas un truc que New York n'a pas. En tout cas, à première vue. Ah, mais en fait, c'est trop stylé. Frérot, là, depuis le début où on est arrivé, on a été choqués. À chaque fois qu'on va à un truc, c'est trop stylé. Les amis, on est actuellement dans Chinatown. Donc, la rue en mode japonais et tout. C'est trop stylé, sa mère. Je vous jure, c'est trop beau. Genre là, c'est Chinatown, frérot. Là, les amis, on est actuellement l'après-midi. On a mangé un resto et on vient de sortir. Donc, on s'est dit, vas-y, on va aller voir Chinatown. On va aller voir une autre rue aussi. Je vous dis pas encore laquelle c'est, mais c'est trop stylé. Il y a les petits ballons comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop beau. C'est vraiment en mode chinois-japonais, je trouve ça trop stylé. Moi qui voulais aller dans un pays comme ça, frérot, bah, j'avais juste à venir à New York et venir dans le quartier. Hein. Les amis, on est actuellement à Wall Street et on est venu à Wall Street, les amis, pour voir le taureau énorme. Donc normalement, il faut faire la queue pour lui toucher les couilles, mais petite flemme parce que la queue, frérot, elle fait 3 km. C'est bientôt la nuit et qu'on a réservé une petite activité. Donc on va pas faire la photo avec les couilles, on s'en bat un peu les couilles. C'est le cas de le dire. Et du coup voilà, on va se balader. On va se balader. Ouais, on va se balader dans Wall Street. On a pris des crêpes, toi t'as pris une crêpe. Et on va s'arrêter là. C'est trop beau sa mère. T'es arrivé dans le feuilleton de Noël de notre vie. Ouais, sauf que. Ouais. Bon, allez. Dans les sapins, on va voir, il y a peut-être un cadeau. Oh, je vous jure, c'est trop beau. C'est en mode décoration de Noël. C'est incroyable, New York en Noël. Je trouve ça trop beau. Peut-être que cette vidéo, elle sort avant Noël. Peut-être qu'elle sort avant. Avant Pâques. Et puis voilà. Frérot, on tourne cette vidéo. On est parti le 3 novembre. Et on repart le 12 novembre, pour vous dire. Donc on va manger et puis voilà quoi, oh putain, la lumière elle est incroyable. Donc les amis, on va manger, attends. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc les amis, on va manger, on se retrouve juste après. C'est parti.
Les amis, on se dirige actuellement vers Central Park. C'est notre dernière demi-journée à New York, les amis. Donc on va aller à Central Park parce que c'était assez stylé et que j'ai vraiment envie d'y retourner en fait. Et puis voilà, on se retrouve à Central Park, c'est parti. Les amis, on est devant Central Park. Je vous jure, c'est trop stylé. J'aime trop Central Park. Quand tu rentres dans Central Park, c'est direct une autre ambiance. Genre quand t'es dans la ville, t'es en mode ville et tout. Dès que t'es dans Central Park, t'es déconnecté de la ville, j'aime bien. C'est trop stylé. Les amis, on est dans Central Park. J'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup trop cet endroit. C'est trop stylé ça. Voilà. Ah, il y a un champ de strawberry. Là, les amis, il y a des fraises qui poussent normalement l'été. Bon, comme on est en novembre, bon voilà. C'est pas grave. J'ai que tu rentres dans un nouvel endroit. Trop stylé. Mais ouais. C'est trop stylé. Petit soleil, petite tour. Et tu veux pas filmer les trucs que tu filmes avec toi ? C'est trop. J'aime trop cet endroit. Eux, ils ont dû voir un seul écureuil. C'est fou de voir les... Ouais, t'es dans la ville et d'un coup t'as ça. C'est plus beau que plein de forêts. Moi je suis dans mon élément là. Il faut que je retrouve un dernier écu. Poké écu pour l'ajouter à mon écu d'ex. Putain, ils sont chauds là. Ouais! Let's go! Allez, quoi! Trop stylé, il y a des rochers qui sont plus grands qu'en montagne. C'est un truc de fou. Mission, monter sur le rocher. Non. Hein? Non. Ok, je saute. Vous êtes prêts, je saute? Ouh! Eh ben non, c'était une blague. Ok, les amis, je saute. J'ai réussi à atterrir, mais au risque de ma vie, ça va être encore une galère en montage, Tommy. J'aime trop cet endroit, je trouve. Les amis, du coup, on est toujours dans Central Park. C'est trop beau, hein. Je me remets toujours pas de cette beauté. Et on est devant le lac Michigan, je crois. C'est le lac, comment t'as dit? Jacqueline Kennedy. Devant le... Michigan, ça je connais. Exactement, devant le lac Jacqueline Kennedy. Le lac Jacqueline Kennedy fut construit en 1858 et 1862. Il était appelé le réservoir. Comme son nom l'indique, il servait à recueillir l'eau en provenance de l'aqueduc de Croton avant qu'elle ne fût distribuée dans Manhattan. Depuis 1991 et l'entrée en fonction d'une nouvelle canalisation, il ne remplit plus cette fonction. Il est juste énorme, frérot. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Des petits canards. C'est énorme. Il y a un petit geyser là-bas, je sais pas pourquoi. Un geyser. Frérot, c'est trop beau. Je suis choc barre là. Je suis choc barre. C'est vraiment trop beau. C'est impressionnant. Des canards. Même la tour là-bas, elle est incroyable, frérot. Je suis choc barre de la beauté là. T'es choc barre de la beauté? Choc barre de la beauté. T'es choc barre de la beauté? Je suis choc barre de la beauté. Moi, je vais répondre à ça. Okay. Voilà les amis, c'est le Jacqueline Michel canadien. Les amis, on est actuellement sortis de Central Park et on est maintenant dans Times Square, les amis. C'est incroyable. On n'est pas vraiment dans Times Square encore. On n'est pas vraiment dans Times Square encore. On n'a pas vu Times Square encore. Donc là, les amis, tu vois, ils commencent à avoir les gros écrans et tout. C'est typique de Times Square. Hein. Moi, je vous le dis, c'est typique de Times Square. Je suis fou. Donc quand vous voyez les gros écrans comme ça à New York, vous êtes vraiment dans Times Square et vous êtes pas à côté, hein. On va pas se cacher. Et je trouve ça trop stylé, putain, si je pouvais avoir un écran comme ça dans ma chambre, ce serait incroyable. Mais bon, il manquerait déjà quelques dizaines de milliers d'euros et quelques mètres carrés parce que bon, genre il m'en manquerait voilà quoi. J'aime trop cette ville, c'est un truc de fou. C'est le dernier jour frérot et je sais pas, ça va me manquer, hein. C'est incroyable, frérot. Regarde, il y a des trucs que jamais tu les vois en France. Il y a une grosse affiche comme ça avec Back to the Future Musical avec le Winter, j'arrive pas à lire, donc ce sera écrit au montage si on voit sur la vidéo. Oui, je crois que j'ai pas réussi à lire là. Mais ouais, c'est parce que ben je suis trop petit. Je crois qu'il y a écrit Winter Garden.
Ouais, peut-être. Mais frérot, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en Amérique, tous les gens, ils ont des voitures énormes. Genre, ça, frérot, ça, les amis, c'est le double d'une voiture en France. Et surtout que tout le monde a ça. Genre, personne n'aura une mini. Impossible. Je vous expliquerai ça sûrement dans une autre vidéo qui sortira après celle-ci, mais juste pour vous expliquer un peu. On n'en parlera jamais assez du magasin M&M's qui est énorme, sa mère. Non, je suis choqué. Et là, les amis, on commence à être vraiment dans Times Square, tu vois. Il y a les gros écrans et tout. Je sais pas si on va voir parce qu'il y a pas mal de soleil quand même. Times Square, je trouve ça incroyable de nuit comme de jour. Hein ? Je rigole, c'est bon. Explique-toi. Les followers là. La commune. Times Square, je trouve ça incroyable de nuit comme de jour. Du coup, c'est même si un écran il est allumé de jour, il reste quand même incroyable. Il y a M&M's rouge, marron, bleu, vert, rouge. Let's create a world where everyone feels they belong. M&M's. On a croisé un parking qui s'appelait Game Parking. J'ai fait un jeu avec ça. Bah, c'est juste pour garer ta voiture, c'est un parking en fait. Et je vous l'ai fait, ok. Game Parking, le game pour ranger les voitures dans un parking. Frérot, à Times Square, il y a toujours des mascottes comme ça, mais en fait, il y a des gens dedans. Oh, ça pue sa merde. Il y a toujours des gens en costume. Genre, t'as vu tout à l'heure, j'ai pas filmé, il y avait Spider-Man, il y avait Tortue Ninja, il y a tout. Et en fait, ils te prennent en photo, et dès que la photo elle est prise, ils te demandent de l'argent. Et en vrai, tu peux partir sans payer, ils s'en foutent un peu. Thank you. Head inside. Yeah. Let's go. C'est au bas. Pourquoi tu t'appropries